Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombardo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Équipe TV Caraïbes là, je voulais remercier tout abonné nous et nous apprécier tout le monde qui branche TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Équipe TV Caraïbes là dans Bombardo Police, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en ouais. Président de la République là, Pierre-François Sildon encourage CSPN là pour adopter bon jan mezi pour garantir sécurité population ici en Haïti. Eh bien, c'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé collier. Secteur plein de questions et l'État doit adresser des réponses fortes parce que l'insécurité vient empêcher et la vie sociale et la vie politique et la vie économique normale dans le pays. L'insécurité a frappé toute couche population et toute couche population non seulement dans les victimes mais fait pas permettre que le pays a trouvé une certaine normalité. L'insécurité a de nouveau le ladan qui kidnapping, fait remonter à la surface au cours des deux dernières semaines et nous sentons que nous poignons la population en triple. Nous sentons qu'il y a une peur. Peur là pour marcher là, peur pour m'affaire ou remplir l'activité, peur pour venir dans le travail, peur pour dormir là. Et chaque contendé, nous nous dit, et moi-même tout, ou n'importe l'autre citoyen, on dit que ça, je sorti matin, pas comme si on s'est la caille. Je sorti à petit, il a marché, c'est à gauche, il a gardé à gauche ou à droite. Je rentre dans la banque, je rentre dans le magasin, je rentre dans le restaurant, il y a le marché, c'est même problème. Et il y a des gens qui parlent même temps de groupe qui n'a pas de ticket, qui n'a tellement rançon et important. Je parle avec les différents responsables dans la police et même au niveau CSPN. Et je dis à même que censé une rencontre spécialement sur la question kidnapping. Pour prendre des mesures fortes, et me tendez, réaction commence à venir au niveau de la police, au niveau de l'IGPNH, au niveau maintenant de la primature, au niveau même de la présidence, que les mesures que vous prenez, c'est des mesures qui font non seulement dans la zone métropolitaine à côté du fait, mais dans le déplacement qu'a fait tout au niveau des provinces, il faut tout responsable province dans veiller qui sont. La sécurité à l'île, la sécurité à nous connaître, c'est un ensemble d'institutions qui travaillent ensemble en concertation pour Baïti. La police à travail, il a besoin de parquet. Le parquet par arrêté, il a besoin de juge de paix. Le fond arrêté, il a besoin de voir la justice. Donc pour la justice maintenant, tant de questions à libérer. Mais sur question de sécurité, sur question de kidnapping, c'est presque une forme de terrorisme. Donc pas grand quelle négociation qu'a fait avec ça. C'est vraiment ça qu'on est autrefois. Autorégance zéro, ce n'est pas pour nous fusiller le monde, mais c'est l'extrême rigueur pour sévir contre nous qui a pratiqué ça. On nous demande encore, population, collaborer avec la police, nous demander gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre, président du CSPN, et tout le monde qui est au CSPN, dans toute institution, pour camper debout pour faire un faisceau pour travailler contre question kidnapping et question insécurité. Un problème politique pour vous élever de l'école, même lorsque c'est à soit le parti au pouvoir, soit l'opposition. Qui ça, utilise l'école, bien avoir pour se lui-même pour viser? Viser un grand monde capteur politique. Viser l'opposition, viser le pouvoir. Mais utilise l'école, nous finissons par dire un paquet, nous trimons à l'école. Comme c'est le même qui a mis tête à préparer pour sa vie pays, n'a pas l'impression de dire, au contraire. Au contraire. C'est un méchant, un fou seulement, un délinquant seulement qui a attaqué l'école, qui a attaqué n'importe quel citoyen. Donc, on pense que si c'est politique, quel que soit côté lié, 10 personnes qui ont fait kidnapping, c'est lié à une question politique, évitez ces gens l'école là, évitez les marchands, évitez les citoyens dans la rue là. Régler le problème politique, je ne régle mais pas chercher les gens qui pas en affaire en politique là, qui pas en politique là, c'est eux-mêmes pour abduction. Voilà. Ce matin même, nous recevons, nous demandons que le secteur service logistique là, prépare un rapport sur la question véhicule qui gagne.
le rapport, ça nous fait discuter le matin sur lui-même. Nous avons une première liste de véhicules. On va dire, on va prendre toutes les véhicules parce que là, c'est une liste de véhicules que le rapport Sénat. Le rapport Sénat, non? Et si nous regardons dans chaque gain, là, chaque gain, 87 véhicules Sénat a gagné, mais dernière. 87 véhicules. Et là-dedans, il y a bon, qui nomme les véhicules là, qui a les véhicules là, qui nous aussi, qui nous modèle, tout ça est fait. Maintenant, nous faisons un rapport, nous faisons un travail sur lui-même. Et nous connaissons que un sénateur qui brûle, c'est du matériel tourné. Nous avons traité l'information pour nous garder des employés qui ont 1, 2, 3 machines. Tout comme un sénateur qui a une machine ou deux machines. Ce qui est important maintenant, c'est pas avoir la quantité que le sénateur qui a en particulier gagné. C'est maintenant le sénateur fait un mandat avec une décision pour retourner la machine. Nous avons une extension et c'est nous pouvons nous caler 2 heures dans la table d'affichage jusqu'au 13. 13 février. Demain, c'est date limite. C'est date limite là, et à ce moment-là, maintenant, la question qui s'occupe maintenant du rapatriement des biens de l'État, des biens du Sénat de la République, qui c'est l'argent contribuable là, pour aller chercher matériel ça pour retourner au Sénat. Écoutez, moi-même, ma crédit encore, ma crédit, mon travail côté, ni au niveau de l'administration publique, ni au niveau de la coopération internationale, même pas jouer avec l'argent contribuable. Même pas jouer avec l'argent contribuable. Bien ça, c'est taxe citoyen, c'est taxe que vous là. Vous devez servir pour ça. Tout matériel, ça, c'est de façon temporaire, vous te mettez au service. Et institutions, c'est des gens qui ont droit, que ce soit un sénateur, que ce soit un directeur, un chef de service, mais ce n'est pas là encore.